Donc là, une grosse étape. Mesdames et messieurs, bonjour. L'étape proposée aujourd'hui. Toujours le critérium, effectivement. Je me suis fait destituer de maillot jaune. C'est Rosa. Qui lâche. Désolé, j'ai le nez qui gratte. C'est le pollen qui est en train de me ruiner la vie là. Ça m'énerve un peu. Chaque année au mois de juin, allergie au pollen, ça commence vraiment à gonfler. Faudrait que je me fasse désensibiliser. Comme ça, moi je serais tranquille. Le pire, c'est la journée. Tout le temps envie d'éternuer la journée, nez qui gratte, etc. C'est les yeux qui pleurent. Je pense que je suis pas le seul, bien sûr, dans ce cas-là, mais tous ceux qui connaissent ça, c'est extrêmement pénible. Comment elle s'appelle déjà ton équipe? Je l'ai appelée Auxor Pro Cycling. J'appelle toujours comme ça généralement mon équipe. Ou alors Auxor, Auxor Team ou un truc comme ça. C'est d'avoir, histoire d'avoir toujours à peu près le même nom quoi. T'es en train de faire le critérium, yes! Toujours sur le critérium. Non, mais ce gars, regarde, le sprint intermédiaire est pas loin. Donc ça va. Oh là, j'ai des baisses de tension, je sais pas s'il y a de l'orage dans le coin. Ouais, a priori, ouais. Il y a eu des hors délais. Il y a pas mal de hors délais. J'espère que Mesgek sera pas hors délai. Ce serait triste. Ça serait la tristesse absolue. On va se mettre là. Pareil, le problème c'est horrible. Ça fait un an et demi que je suis traité, franchement. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Même s'il y a des progressions. Bah moi en fait... quand je fais une fois par an chez le docteur, généralement c'est pour prendre mon traitement contre l'allergie au pollen, toujours à la même période. C'est des petits comprimés qu'il me donne, c'est sous ordonnance. Ça fait un petit peu somnoler, c'est vrai, mais moi ça fonctionne à 100%. Franchement, quand j'en prends, ça fonctionne bien. Mais là, le problème c'est que je suis pas retourné chez le docteur, j'ai pas l'envie, j'ai pas le temps en plus d'y aller pour demander ça. Donc là, je subis un peu. Mais quand j'en aurai vraiment marre, si vraiment ça continue au mois de juillet, tout ça, j'irai chez le docteur prendre une ordonnance pour ses comprimés. Mais moi, ça fonctionne bien, franchement. Comment on devient un frère? Ben, simplement t'abonnant à la chaîne, c'est gratuit. Voilà. Et si tu veux devenir un grand frère, tu fais un don. Tu fais un don. Après, les grands frères, c'est plus rare. Et ouais, le Tour de France bientôt. Hein. 2 semaines et demie. Ça passe. Pour la rediffusion, ça sera incessamment sous peu. Color catégorie, il me fait flipper. Il me fait flipper. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je sais pas comment je vais l'aborder. Merci Aurélien pour le follow. C'est un plaisir. Bonsoir Instinct Fishing. Tu penses que Contador est assez fort pour gagner le tour? Non. Je pense pas. Merci Joël pour le follow, ça fait plaisir mon petit. Pourquoi tu as arrêté le mode carrière sur W2K17? Col du Glandon, voilà c'est ça. Parce que ça m'a saoulé. En fait le catch je le suis plus hein, pour vous dire. Merci à ceux qui follow la chaîne, j'ai pas le temps de lire tous vos noms. Izen, merci à toi.
Merci l'André. Voilà, Alès. Y a une chute ou quoi? J'ai cru voir une chute. Merci Roméo. Ça te dérange pas les trajectoires? Non, ça va, ça me dérange pas plus que ça. Tu penses que c'est qui va gagner le Tour de France? Merci Baptiste. Moi je pense que c'est Froome. Après on verra. Merci Robin. Merci Gaspi. Merci à toi. Bah Richie Porte, je pense pas qu'il peut gagner le tour parce que c'est pas. Merci Mulator FR. Richie Porte, c'est vraiment un coureur qui est excellent dans les courses d'une semaine. Mais il a toujours un jour 100 sur un grand tour. Et un jour 100, c'est fatidique. Hein. Ça pardonne pas. Je me tâte à sortir. Hein. Je me tâte à sortir dans en haut du col. Merci Julien. Est-ce que vous pensez que je sors en haut du col, les amis, si ça attaque pas? Ça peut être une bonne chose. Je fais la descente à fond. J'espère qu'elle est bien raide. Je fais la descente à fond. Et après, c'est le plat qui me fait peur, c'est vrai, mais bon. Que voulez-vous? Merci Farceur 2. Pas de dédicace, non. Les seules dédicaces que je peux vous faire, c'est ceux qui font des dons, par exemple. Ou ceux qui follow la chaîne. Merci Laurent. Ouais, on regardera pour les hors délais. Merci PSG 009, enfin ouais 0909 Xbox, je sais pas quoi, je sais pas, excuse-moi. Ton pseudo t'es un petit peu long, j'avoue. Suce les roues. Ah oh ouais, Playman, je suce les roues. The Rider, merci à toi. Ouais, je vais sortir. Sortir, de toute façon. De toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Je suis plus maillot jaune. Je vais faire du spectacle. Hein. Merci T3Z. C'était trop compliqué, je suis désolé. Il y a beaucoup de problèmes avec les noms. Je pense que vous l'aurez remarqué sur PCM. Donc là, les pseudos, c'est pire. Je suis désolé. Ça fait beaucoup 72K, frère. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'inactifs. 72 000 abonnés, je pense que j'en ai peut-être 2000 d'actifs. C'est triste, mais bon. Au bout de 5 ans sur YouTube, c'est vrai que c'est un peu normal. Au bout d'un moment, les gens, bah, ils se lassent, etc. Ça part, ils passent à autre chose. C'est normal. Normal. Merci Alyosha. Et désolé, je vois pas tout le monde hein, qui follow, j'en suis navré. C'est pas que je vais pas vous dire bonjour ou vous remercier, mais. Je peux changer la place des follow. Ouais, mais je peux le mettre où? Parce que je vois pas trop où je peux le mettre en fait. Salut Robin! Ouais, je suis avec la Combia Café, ouais. Chaque saison, on peut changer d'équipe. Bah, Anton, en plus, il est en forme. Hein. Il est forme positive. On peut tester. Hein. Ah, en tout cas, j'ai hâte, les amis, de jouer à PCM. Je l'ai, le jeu. Hein. Je l'ai, j'ai PCM 2017 hein, installé sur le PC. Merci, Bertrand. Mais le problème, c'est que le jeu va être mis à jour et reset demain. Donc, ça n'a rien de commencer quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai pas réfléchi, LG Brook encore, je suis désolé. En bas à gauche, Oxor. En bas à gauche. Ah, pas bête. Attendez. Pas bête. J'avais pas pensé tout de suite. Merci. Ça, c'est pas ça. Hop. C'est pas ça, c'est ça. Voilà. Parfait. Merci, hein. Franchement, c'est vrai que c'est mieux. J'avais pas pensé au début de mettre là. C'est beaucoup mieux. Je suis pas très bon descendeur après. Hein. Je vous avoue que Oxor est mauvais en descente. Ça vous, enfin, je pense que vous le savez. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis mauvais en descente. En plus, ça roule. Hein. Ça roule tellement fort que je sais pas si je pourrais sortir. On est encore à 5 km du sommet. Hein. Encore un peu long.
On va se calmer. PCM, c'est un jeu de management où, où tu gères une équipe sur une saison complète, enfin sur des saisons complètes avec toutes les courses au cyclisme les plus connues. C'est un jeu très beau. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne, je t'invite à les regarder si tu connais pas. Tu vas peut-être en prendre un peu plus sur le vélo en plus. Tu les sens moins bien que Roland. Exactement. Et tu sais que Roland, moi j'avais fait. Quand je faisais mes lives avec. Enfin, pas mes lives, quand je faisais des quand je jouais avec Link's Fusion, hors vidéo, un coup avec Pierre Roland, et ben en fait il est tombé en montée le gars. Carrément. On était en haut d'un col, il tombe. On n'a pas compris. Non, on a fait. Ah d'accord. Bon, il est tellement bon même que le mec il tombe, même en montée. Bien sûr que je vous le conseille. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi j'aime beaucoup. Hein. Après, je suis. Après, c'est. Après, mon avis est pas objectif parce que. C'est pas bien de dire ça, je sais, mais. Moi je suis fan. J'ai toujours été fan des Tours de France. Donc, qu'ils soient bons ou mauvais, malheureusement, je suis peut-être un peu aveugle. Toujours pas de progrès, non. Oh, ça sort, Pantano. On y va, on est bien là. On est bien, on y allait. Thomas est là. Ah, c'est gentil, Bleman. Ah, c'est gentil. Il devient quoi, Lynx? Ben, Lynx, ça va. Il s'occupe de ses enfants, il s'occupe de sa fille qui est malade. Ça va bien. On habite beaucoup plus loin maintenant. C'est vrai que c'est difficile de se voir. On se voit peut-être une ou deux fois par an maintenant. Donc, c'est pas facile. Franchement, la descente, je la sens pas. Je la sens pas du tout. Regardez-moi ce descendeur provisionnel. Il est bon. Pourquoi il se met pas en position aérodynamique? Je comprends pas. J'arrive pas à mettre ma position aérodynamique. Ah, c'est bon. Je suis vraiment mauvais. Faut vraiment que je me concentre. Faut même pas que je parle. C'est toi que ça reparle pas. Si, il y a quelques paroles des qui ont changé. Parce qu'en fait, il y a. Comment il s'appelle déjà? Il y a Alexis Virmo qui est cité. Dans les commentaires des gens qui parlent, donc ça a changé un peu. J'ai entendu un mec l'autre fois dire allez, allez Virmo! Vraiment les roues hein. Pour l'instant là je suis tellement mauvais que j'ai peur en fait, peur de tomber quoi. Et en plus, le problème c'est qu'on. J'ai pas l'impression de prendre beaucoup de temps en fait sur le peloton, malheureusement. Et là, le problème c'est qu'après il y a un peu de plat quoi. C'est un peu. C'est cette période de plat qui me fait peur en fait. Il y a 27 km, on peut le faire. Hein. Franchement, je le sens. On le sent bien, là. J'ai un peu plus de confiance, on va dire, dans la descente. Non! Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que je partais à la faute. Hein. Vraiment, je suis tombé. Et si je tombe, c'est fini, là. Je peux dire adieu à l'étape. Hein. L'étape, je pense pas la gagner. Mais si je peux récupérer un maillot jaune, ça peut être bien. Ça pique les yeux, les effets qu'ils ont fait. J'aime pas, je supporte pas. Les effets qu'ils ont fait là de lag. Enfin, pas de lag, de vague un peu là quand on tourne. C'est bizarre.
J'ai un peu de mal. Le plat est pas long, d'accord, bah j'espère alors. Je me souviens de ton tour 2015 avec Lotto Jumbo, t'avais gagné avec 2 secondes d'avance sur Froome. Je fais pas les All 16. Ah, je m'en rappelle plus. Faudrait que je le regarde, tiens. C'est en 2015, tu dis? Allez, 20 km, 20 km, les amis. Merci, Chicken. Ah, j'espère que le plat est court. J'espère que le plat est court, que c'est pas trop long. J'ai 1 minute d'avance. C'est pas mal. Allez, les amis, est-ce que vous croyez en moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez que je peux faire l'étape? Ça va se relever. Ça va pas rouler. Ouais, bien sûr. Moi, je le regarde même pas, les gars. Je le regarde même pas, je vais rouler tout seul. Visconti, à moins que Visconti vous roulez. Ah, il va me piéger, Visconti. J'ai pas confiance. Ah, il roule à 95, ça peut peut-être le faire. On va voir. Eh, Visconti, s'il nous amène, on l'achète la saison prochaine. Ah, il a arrêté. On l'achètera pas. On l'achètera pas. Il restera dans la Bahreïn Mérida. Il restera au Bahreïn. Hein. Bon, c'est un beau pays, vous me direz. Il fait chaud. Allez, c'est parti, dernier col. Lacets de Montvernier. Ah, c'est les lacets de Montvernier, d'accord, ok. Je me rappelais même pas. Oh là là, eh, quand on tourne, quand on tourne, il y a tellement de public, j'en ai mal à la tête. Allez hop, j'ai pris un peu de gel. Allez, on croit en moi, les gars. Je suis parti de loin, hein. Je suis parti à la fin du col hors catégorie. Hein. J'ai fait quand même bien 25-30 km devant. Hein. Ça va être compliqué quand même, je pense. Hein. Je mets le régulateur, mais le temps revient vite derrière. Une 21, une 20. J'arrive pas à creuser. Hein. J'ai plus de gel. Hein. J'ai plus de gel, les amis. Il va rester 1 km avec ce gel là. Ça va peut-être pas le faire. 40 secondes de retard. Ça va peut-être pas le faire. Je suis obligé d'un peu ralentir en plus. Hein. Parce que sinon, je vais pas pouvoir tenir. 1 km là. Ça va être tellement tendu, je le sens pas. Ah là, la descente est piégeuse, ouais, je la connais. Hein. Je sais qu'elle est piégeuse. Je suis obligé de vendre. Là, je vais vendre un peu de barre rouge maintenant, j'ai pas le choix. Je vois un peu de barre rouge, j'ai pas vraiment le choix, tant pis. On va récupérer un petit peu. Très léger. Hein. Et la récup a été très légère. On a récupéré une petite zigounette de barre bleue. Allez, on y va, la descente. 1-10. Ce virage là, je le sais, il est piégeux. Il finit très loin. Je suis obligé de rester en mode aérodynamique en plus.
pour récupérer. Parce qu'après, il y a 4 km, 3-4 km de plat. Donc on va quand même essayer d'assurer. 5 km. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 3 700 km, les amis. Ça va peut-être être bon. Ça va peut-être être bon. On a géré, hein. On a géré cette ascension, les amis. C'était pas facile, l'ascension. Elle était pas facile. Je vous le cache pas qu'elle était pas simple. Un kilomètre 500. La flamme rouge. La flamme rouge. Allez, on y croit. La flamme rouge. La barre rouge qui est en train d'être attaquée. Allez. Yes, on peut même savourer. Oh, on l'a fait. On l'a fait. Yes. On récupère le maillot jaune. C'est pas fini, attends, on va voir si j'ai récupéré ou pas le maillot jaune. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Normal. On savoure l'étape. Hein. Savoure l'étape, on est bien. Anton, 4 ou 5 victoires, 3 sur 10. Ah, c'est très beau. Gros champion. Il est dans maillot jaune, yes. Et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune, ça c'est bon ça. De cette épreuve. On va regarder les abandons. Après. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot, maillot jaune, maillot vert. Franchement, pas mal. Un petit succès déverrouillé, confirmation, gagner le critérium Dauphiné. Yes, on sauvegarde bien sûr. Une 0,3 d'avance quand même. 29 secondes d'avance sur Rosa, 54 sur Maika. C'est bien, champion artiste, champion. Franchement, je suis content. Le live signé à quelle heure? Je sais pas, franchement, je comptais finir après le critérium, mais bon, là, vu qu'on débloque le tour, je sais pas. Je vais partir encore en live un petit moment, je pense, jusqu'à 20, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Faut peut-être que je pense à manger aussi, mais pour l'instant, j'ai pas spécialement faim. Donc on peut encore live un petit peu, je pense. 1 million d'euros déjà sur le compte en banque de l'équipe, ça fait plaisir. Ah, on a pas regardé les abandons, merde. Ah, j'ai oublié de regarder les abandons, je suis désolé. C'est pas des abandons, c'est de hors délai.